Salut à tous! Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter le mois d'août de mon journal, Bullet Journal. Voilà, donc je vais vous montrer les pages que j'ai fait tout simplement. Voilà, aucun process ni rien, juste vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vous montre un peu l'épaisseur qu'il fait ici en 2 mois de temps. Alors, comme je pense que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je ne me sers plus de mon bullet journal comme bullet journal à proprement parler, c'est-à-dire que je ne fais pas mes listes de tâches à faire et compagnie dedans. Alors, au mois d'août, au début, j'avais fait des listes de tâches et tout ça, mais pour le mois de septembre, je ne ferai plus ça. Donc, j'y vais tout de suite, comme ça, ben, on ne perd pas trop de temps. Alors, j'avais fait la page de Gart, vous l'aviez vu avec moi, je l'avais fait en process. Donc celle-ci avec le hibou. Et par la suite, j'ai fait une petite citation ici. Si ton esprit est motivé, ton corps suivra. Ta seule limite, c'est toi-même. Voilà, donc c'est une citation positive et c'est bien vrai. Donc voilà, donc ça, vous l'avez déjà vu. Ensuite, comme je vous disais, donc j'ai fait un calendrier, mes objectifs et compagnie du mois, le tracker, le mood tracker. Ça aussi, je réfléchis à peut-être le faire dans un autre carnet. Je verrai. Ensuite, voilà. Et donc, on part au 1er août. Alors, je ne sais plus quelle page je vous ai déjà montré. Donc, voilà, je vous montre tout le mois. Comme ça, vous voyez en détail tout ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'était à Walibi. Donc, si vous savez, on a fait un abonnement à Walibi. Donc, on voit un peu quand on veut. C'est vraiment génial. Ça, c'est la vue que l'on a de notre chambre. Voilà, je vous explique aussi en même temps un petit peu les photos, si ça peut vous intéresser. Ma petite Malou, comme d'habitude. Alors, comme vous voyez ici, je suis partie. Donc, si j'ai plusieurs jours sur une page, je le fais. Donc, ici, mercredi, jeudi. Et voilà, tout est mélangé. Sur la fin, vous allez voir que j'ai fait un jour une page pour tester. Je pense que je vais repartir sur ce format-là. Donc, plus ben, s'il y a 2 jours à mettre sur une page, ben, je mets 2 jours sur une page. Donc voilà. Ma petite Malou. Il y a beaucoup de photos de Malou, hein, ça je vous préviens. Alors, ça ici, ça je l'avais fait en process, ça je m'en souviens. Alors là, c'est le fameux ticket dont je vous parlais. Que voilà, tout s'est effacé quand j'ai mis le papier collant. Alors, je mets ma main devant avant, comme ça je peux, enfin je peux brouiller sans souci. Vous comprenez que je n'ai pas forcément, enfin c'est un peu comme mon journal intime, donc j'ai pas forcément envie que vous puissiez tout lire, mais que vous voyez au moins l'ensemble des décorations que j'ai fait. Donc voilà, donc j'aime vraiment bien. Il y a beaucoup d'actions. Je ne sais pas si vous reconnaissez quand je tourne les pages, mais il y a beaucoup, beaucoup de matériel action. Et j'utilise beaucoup plus mon matériel grâce au journal ici. Franchement, je suis trop contente. Ça liquide un peu mon stock. Pardon. Alors, je vais essayer de faire ça tous les mois. Vous montrer ben, tout ce que j'ai fait sur le mois. Il y a certaines pages qui seront faites en process avec vous. Mais voilà, comme ça, vous voyez tout ce que j'ai fait sur le mois dans mon journal. Alors ça, j'adore cette page-là. Là, j'ai fait un peu d'aquarelle. Malgré que ce n'est pas des feuilles prévues par l'aquarelle, j'ai quand même fait un peu d'aquarelle. Bon, le papier ne réagit pas méga bien, mais j'ai pas trop exagéré dans l'eau et de compagnie. Donc ça va, ça donne assez bien. Quand ça a séché, ça a donné beaucoup mieux que quand c'était mouillé. Quand c'était mouillé, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais au final, ça va. Ici, c'est une illustration que j'ai imprimée sur Internet. C'est trop beau pour représenter Malou. Alors là, j'explique un peu que j'adore le fait que l'on puisse la balader partout. Elle nous suit souvent partout. On peut même faire 1 heure de route, il n'y a aucun souci. C'est vraiment génial, j'adore. Voilà, donc là, c'est encore avec plusieurs jours sur une page. Là, c'est une photo de Malou sur moi. Alors, il faut savoir que quand elle était petite, elle venait souvent sur nous, parce qu'elle n'était pas trop encombrante. Mais voilà, depuis qu'elle est un peu plus grande, d'elle-même, elle vient plus trop sur nous.
Mais là, voilà, elle avait décidé de venir sur moi, donc j'étais contente. Ça faisait longtemps. Vous allez me dire, ça fait que 4 mois que je l'ai. Longtemps, c'est beaucoup dire, mais voilà. J'aime bien l'avoir près de moi. Voilà, je suis déjà au vendredi 14. Alors j'ai mis ici une biche. Je crois que c'est une biche, hein. J'ai mis aussi belle qu'une biche, ma petite Malou. On est gaga, hein, quand on a des animaux. C'est pas grave. Alors ici, j'ai mis des pièces de centimes, parce qu'on comptait les pièces de centimes des enfants. Ils ont cumulé les pièces de centimes et on a été les apporter. Et comme ils sont tout doucement en train de retirer de la circulation les pièces, je me suis dit, ben, en souvenir, je vais mettre des pièces dans mon journal. Ça se peut, dans 20 ans, ce sera des reliques. Hein. Donc voilà. Alors je fais souvent des petits montages comme ceci sur mon GSM, comme ça, hop, tout est en une photo. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, c'est encore à Walibi. On a été 2 fois sur le mois. On s'est fait asperger totalement. J'y suis aussi allée. Ça, c'est un dessin, un coloriage anti-stress de chez Action. J'aime bien incorporer des coloriages comme ça dans mes créas. Alors là, c'est quand on a fait le box de Malou. Alors j'étais KO. Au soir, j'avais mis cette photo-là en disant non, non, je suis pas fatiguée. Voilà, la tête de chat complètement HS. C'était exactement mon cas. C'est pas tous les jours qu'on construit une chape, hein, et qu'on pèlte du ciment et compagnie. Voilà, donc ça aussi, ça vient de chez Action. Il y a beaucoup de matériel quand même de chez Action. Ensuite, il y a ceci. Ça, c'est un dessin qu'a colorié Sacha. Il a fait ici le signe du McDo et du Quick. Hein? Voilà, j'incorpore aussi des fois. Ici, j'avais fini une série. J'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, je l'ai incorporé dans mon bullet. J'incorpore vraiment de tout. C'est un peu mon journal intime, hein, en quelque sorte. Alors là, je suis partie un jour, une page. J'ai voulu tester. Alors ça me laisse beaucoup plus de possibilités au niveau de création et tout ça. Mais j'ai beaucoup à écrire du coup et j'ai pas tous les jours quelque chose à écrire. Donc je vais repartir à mon avis pour les mois prochains en version comme ça. Et quand j'ai beaucoup à dire, ben, j'utilise une page et tout. Enfin voilà. Je teste, hein, je suis en plein test. Ça ne fait que 2 mois que je fais ça. Donc voilà. Ikea. J'aime bien incorporer comme ça un peu de tout. Ça, c'est des coupes de magazines. Ça aussi. Ah, voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin, la dernière page au 30. Alors, ça, c'est une page de chez Action. Voilà, ça, tout simple. Je colle. Hop, j'écris. Ça, c'est des stickers lettres. Voilà. Alors là, ici, j'ai mis une illustration d'une chèvre, hein, c'est pas Malou. Et avec plein de points d'interrogation et d'exclamation, parce qu'on a changé son petit abri, parce qu'elle reste dehors, donc on lui a mis un abri. Et on l'a changé de place, parce qu'au départ, on l'avait mis sur la première terrasse, on l'a mis sur la deuxième terrasse. Et elle était vraiment, vraiment perturbée. Elle arrêtait pas de pleurer, d'être super nerveuse, c'est tout comme si on allait l'abandonner ou je sais pas, elle était vraiment perturbée qu'on change son box de place, enfin son abri de place. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je sais pas, j'aime bien, c'est fun. Donc voilà, alors j'ai pas encore fait le mois prochain. Alors vous allez me dire, on est le 14 et encore rien de fait pour le mois prochain. Mais en fait, je prends des notes de tous les jours. Genre ici, je vais faire le 1er août. Le 1er août. Ça ne me vient pas en tête. Hein. J'ai tout noté dans mon application préférée. C'est Evernote. Je ne sais pas si vous connaissez l'application là. C'est un bloc-notes où on sait faire des sous-dossiers tout, et tout et tout et tout. Enfin, vraiment, j'adore cette application. Je l'ai même acheté pour un an parce que quand on l'achète, on a plus de possibilités de mettre des photos et tout ça. Si on garde gratuit, on a un certain nombre de gigas par mois. Moi, je voulais quelque chose d'illimité parce que voilà, je mets de tout, j'écris de tout. Quand un film me plaît et que j'ai rien pour noter, ben, je le mets dans mon bloc-notes. Enfin, soit, bref.
Vous avez compris. Donc, ben voilà, j'espère que cette petite présentation vous plaît. Que voilà, dites-moi si les mois prochains vous voulez que je vous fasse pareil, vous montrer ce que j'ai fait sur le mois. Parce que ben, je ne filme pas forcément tout, hein. Je scrape hors caméra beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Alors, oui, je vais remplir la petite enveloppe. J'y pense, c'est très, très bien. Alors, j'ai fait un petit. Un pochon pour vous avec plein de trucs. Je pioche au hasard. Je vais vous mettre ça. Je pioche au hasard. Voilà, c'est au lieu de mettre en vente des choses, des fois je me dis ben, ce sera pour mes abonnés et j'ai mis tout ça là-dedans. Voilà, des fois quand je vous présente aussi des achats et tout, je vous incorpore des achats. Mais voilà, comme ça j'ai de quoi vous mettre dans la petite enveloppe. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et voilà quoi. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!